Aspirés, balayés, tous les jours, les agents de la propreté urbaine de la mairie de Cannes ramassent les détritus et nettoient chaque plage et chaque rue de la ville. Entre 35 et 40 tonnes de déchets sont enlevées chaque semaine. Un travail de fourmi sans cesse renouvelé. C'est un travail qui est fastidieux, il y a une très grosse organisation à mettre en place. Tous les trottoirs et toutes les rues sont aussi lavés par les 70 véhicules mis à disposition. La propreté urbaine est l'un des combats prioritaires du maire de Cannes, David Lisnard, qui multiplie les actions pour rendre une ville plus propre. La haute saison, on y est, ça y est. C'est les moments les plus durs de l'année, donc c'est le moment où c'est qu'on doit mettre le plus de moyens. On a 42 saisonniers, 36 étudiants, qui nous permettent justement de mettre les moyens là où il y a les besoins. Et c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien. Donc ça commence de 2h du matin et ça se termine jusqu'à 1h du matin. 23h sur 24, des prestations, c'est du quasi non-stop. Tous les moyens mis en œuvre pour diminuer la salissure et garantir la propreté des espaces publics a été récompensé par le label Ville Éco-Propre. Une récompense attribuée pour ces actions quotidiennes des équipes qui agissent chaque jour pour la qualité de vie des habitants.